Les informations de Volkov confirment nos pires craintes. Perseus a fait transiter une tête nucléaire à Berlin-Est. On ne peut pas en être certain. Il l'a, c'est certain. On a trouvé des coordonnées cryptées avec les infos de Volkov. Celles d'une zone inhabitée de la République soviétique d'Ukraine. Le survol du SR-71 a révélé ceci. Je veux qu'on me tienne au courant de tout ce qui se passe dans ce bâtiment. On aura besoin des autres. Woods et Mason nous rejoindront de Kiev. Belle, tu vas t'infiltrer avec Woods. Mason et moi, on s'occupera de l'extraction. Park, des communications. On n'a aucune idée de leur nombre ni de leur niveau d'entraînement. Alors restez discrets si vous devez combattre. Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer. Gère les communications. Dis à Mason et Adler d'attendre. On y va. La base se trouve juste après cette colline. Infiltrez-vous. Découvrez ce que vous pouvez et sortez de là. Merde, Park. Je pensais rester un moment, visiter le... Oula. Tu feras ça une fois qu'on saura ce que prépare Perseus. Regarde-moi ce monstre. Je me demande ce que les touches cachent à l'intérieur. Prends une photo. Les services secrets sont intéressés. Bon, il est temps de se salir les mains. Je vois des gardes en haut et en bas. Choisis ta cible. Range ton appareil. Choisis ta cible. Deux autres sortent du camion. Putain de merde, où t'as appris à tirer comme ça? Tu vas pouvoir descendre, je te couvre d'ici. Prends des photos de tout ce qui peut être important. Cartes, plans, tout ce que tu trouveras. Bon réflexe. Merde, une patrouille approche de ma position. Del, trouve un moyen d'entrer. Je te suis.
Jusqu'à l'intérieur. J'ai perdu quelque chose. Park, Belle a trouvé un accès. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors en avant. J'ai rien de mieux à ajouter. C'est bon, je suis prêt. Quand tu veux, Belle. Thank you.
tout ce que vous avez? Sur les toits! Ah, j'aurais dû la cerner. On s'est contourné!
contourner! Directement à la tour de contrôle. Dirige-toi vers l'ascenseur. Cet ascenseur mène directement à la tour de contrôle. Une grenade !
mène directement à la tour de contrôle. L'ascenseur mène directement à la tour de contrôle. Une grenade! Cet ascenseur mène directement à la tour de contrôle. On s'est retrouvés en plein exercice. L'endroit grouille de rouge. On cherche toujours des renseignements. Bordel. Je demande à Mason et Adler de se tenir prêts pour l'extraction. Elle a l'air furax, tu trouves pas? On dirait leur centre de commandement. Par ici. Jackpot, l'ordinateur central. Voyons ce que les rouges nous réservent. Là, viens sur ce terminal. Regarde ce que tu peux trouver. Belle, regarde l'ordinateur central. Bienvenue dans les archives d'analyse de combat du peuple soviétique. Statistique de combat urbain stratégique, accès restreint. On s'en fout de ça, cherche encore. Rapport quotidien du KGB, accès restreint. Oh, ma grande passion, y'a rien d'autre? Opération Greenlight, accès restreint. C'est quoi ça, l'opération Greenlight? Belle, tu peux pirater ça?
évidemment, il y a un mot de passe. Fouille la zone. Les rouges sont jamais très malins. Il y a peut-être un indice sur le bureau. Accès restreint. Je sais pas. Continue de chercher. Joli. C'est confirmé. La bombe qui a quitté Berlin vient du programme Greenlight. C'est l'une des nôtres. Si ça s'ébruite, personne n'en saura rien, pas même l'équipe Adler. Les enjeux sont trop importants. C'est un euphémisme. On parle d'une bombe nucléaire américaine cachée dans les sous-sols de Berlin. Je veux être sûr de ton engagement, Hudson. Les dés sont jetés. Le plan est en marche. Si notre élément découvre la vérité... C'est maintenant que tu t'inquiètes de la vérité? Je m'inquiète de pouvoir contrôler cet élément. Si on ne peut pas contrôler l'élément, on l'élimine. Fin de l'histoire. Je prends une copie. Ça n'a aucun sens. Perseus a infiltré un programme nucléaire de la CIA, nom de code Opération Greenlight, dirigé par Hudson. Tête nucléaire volée et américaine. Et Hudson était au courant. Merde, on fout le camp. Ils essaient de nous couper.
derrière. On doit être sûr qu'Adler et Mason pourront nous extraire à l'endroit prévu. Les enfoirés bloquent la sortie. On va devoir se frayer un chemin. Le tourneau est arrivé. Bouge!
calme tout le monde, Park. Toute l'équipe. Hudson va devoir nous expliquer un paquet de trucs. Oui, je m'en occupe. Tu savais que la bombe venait de Greenlight et t'as rien dit. Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? Je peux peut-être te faire cracher le morceau. Je te le déconseille, Woods. Que tout le monde se calme. C'est pas en vous hurlant dessus qu'on va trouver Perseus. Pourquoi avoir caché que c'était une bombe américaine? Il avait besoin de nous pour nettoyer sa merde. Cet enfoiré nous ment à tous depuis le début. J'ai pas menti. J'ai omis quelques faits. C'est ton grand truc, pas vrai, Hudson? Manipuler les gens. Arranger la vérité à ta sauce. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Adler en sait quelque chose. Pas vrai, Russ? L'opération Greenlight. C'est quoi? Raconte-nous tout. En 58, la course aux armements battait son plein. Eisenhower pensait que si les Rouges envahissaient l'Europe, on ne pourrait pas riposter. D'où la fameuse opération Greenlight. Un programme top secret qui consistait à placer une bombe nucléaire dans chaque grande ville européenne. La contre-mesure ultime à l'invasion soviétique. En 1974, elles ont fait place à de puissantes bombes à neutrons, capables d'exterminer la population sans endommager les infrastructures. Des milliers de morts d'un coup. Et toi, tu nous parles de putain d'infrastructures? On voit où sont les priorités. On tue les gens, mais on sauve les bâtiments. Le but, c'est de préserver notre mode de vie. Depuis quand tu sais pour la bombe manquante? Une des bombes a été désactivée il y a 8 semaines. On soupçonnait Perseus, mais sans avoir de preuves. Jusqu'à ce qu'on voit les photos rapportées de Berlin-Est. Donc, on a une bombe nucléaire américaine disparue. Et quand Perseus la fera sauter, les États-Unis deviendront l'ennemi mondial numéro 1. On n'en serait pas là aujourd'hui si t'avais fait ton boulot et tué Perseus au Vietnam. La prochaine fois, Hudson, je laisserai faire Woods.